Quelle joie et quel privilège de nous retrouver dans sa présence ce matin. Il est digne de gloire. Il est digne d'être élevé. Il est digne d'être célébré. Il est digne de recevoir louange, honneur, acclamation, ovation. Il est digne. Personne n'est comme lui. Personne ne nous a aimés comme il nous a aimés. Personne ne nous aime comme il nous aime. Il est digne de recevoir le meilleur de son peuple. Il est digne de recevoir des actions de grâce et une adoration profonde et sincère. Alléluia. Nous élevons ton nom plus haut. Père éternel, nous élevons ton nom plus haut. Jésus, nous élevons ton nom plus haut. Nous t'étendons dans les cieux. Nous élevons tous ensemble. Ce matin à l'unisson dans l'assemblée des fidèles, nous élevons ton nom plus haut. Jésus, nous élevons ton nom plus haut. Comme un étendard, comme un étendard dans les cieux. Y a-t-il quelqu'un pour dire nous élevons ton nom? Encore plus haut qu'hier, c'est le vent en ample. Seigneur, c'est notre prière. Dans chacune de nos maisons, nous élevons ton nom pur. Avec nos enfants, en famille, nous élevons ton nom plus haut. Comme un étendard dans les cieux, y a-t-il un adorateur pour proclamer? Majesté céleste, ton nom plus haut, car personne n'est comme toi sur la terre. Ton nom plus haut, comme un étendard dans les cieux. Tous ensemble disons, nous élevons ton nom plus haut. Merveilleux Sauveur, nous élevons ton nom plus haut. Toi qui es le Seigneur des Seigneurs, nous élevons ton nom plus haut. Comme un étendard dans les cieux. Encore plus fort, disons, nous élevons ton nom plus haut. En ce lieu, ce matin, nous élevons ton nom plus haut. Avec un cœur reconnaissant, nous élevons ton nom plus haut. Comme un étendard dans les
devant son écran qui dit ton nom plus haut. C'est le chant d'une famille spirituelle réunie. Devant ton nom. Il est pour notre suprême majesté. Comme un étendard dans les cieux, c'est le cri d'un racheté. Comme un étendard dans les cieux, le cri qui annonce une saison nouvelle. Comme un étendard dans les cieux, le cri qui annonce la défaite du diable dans nos vies. Comme un étendard dans les cieux, c'est le cri de mon âme, mon âme. Jésus notre étendard, Seigneur tu es digne, digne que nous nous réunissions en ce lieu pour toi, non pas pour un homme, non pas pour une organisation, non pas pour une institution, mais pour toi et pour toi seul. Nous sommes venus ce matin pour te rendre un culte agréable. Merci pour la grâce que tu nous fais, pour le privilège que tu nous accordes de nous tenir dans ta présence. Nous nous sentons honorés, nous nous sentons privilégiés. Quelle grâce! Quelle grâce! Merci Seigneur. Comme un étendard dans les cieux. Alléluia. Seigneur, nous te rendons grâce et nous te disons merci. Merci pour ta présence au milieu de nous ce matin. C'est ta présence qui fait toute la différence. Ce n'est pas le nombre que nous sommes, non, 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 non. Ce n'est même pas la décoration, l'animation dans la salle. Tout cela sont de bonnes choses, mais ce qui fait la différence, c'est ta présence, Seigneur. Alors viens et manifeste-toi. Parle et nous voulons écouter. Ordonne et nous voulons obéir. Dis allez et nous irons. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce.
Merci encore pour tout. Merci pour cette semaine que nous a permis de passer dans ta présence. Et merci pour cette nouvelle semaine qui commence. Il y a une loi, c'est la loi des prémices. Et nous voulons donner, Seigneur, les premières heures de cette nouvelle semaine qui commence aujourd'hui. Nous voulons les offrir à toi, notre seul et véritable Dieu. Merci, Père. Nous te rendons grâce. Nous t'avons prié, nous t'avons adoré, nous t'avons célébré et nous t'avons acclamé dans le nom de Jésus, le Christ. Merci Seigneur, nous te rendons grâce au nom de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Ah, y a-t-il quelqu'un pour dire un bon amen ce matin? Voilà, on acclame le Seigneur encore tous ensemble. Et avant de prendre place, nous voulons simplement saluer nos bien-aimés qui sont avec nous. Ils sont avec nous sur Internet. Ils ne nous suivent pas. Non, ils ne nous suivent pas. Ils participent à un culte avec nous, mais à distance. Ils ne nous suivent pas. Non, non, non. Nous suivons tous le Seigneur, mais eux, ils ne nous suivent pas. Ils sont au culte, mais c'est à distance. Et maintenant, j'aimerais dire, si vous êtes là, vous habitez dans la région parisienne, je vous assure, c'est mieux d'être ici. C'est mieux d'être ici. C'est mieux d'être ici. Et c'est encore mieux d'être ici. Amen. Et ne vous en faites pas, on trouvera de la place. On trouvera de la place, on trouvera de la place. On se débrouillera pour trouver de la place. Mais c'est mieux de venir ici, vivre la communion fraternelle quand vous habitez dans le coin. Si vous êtes dans une région reculée du monde où il n'y a pas d'église, où c'est très difficile de vivre sa foi, alors on peut comprendre. Mais si vous êtes dans les environs, venez. Venez en couple, venez en famille, venez entre amis. Il faut être à l'église. L'église, c'est le lieu où nous devons être. Alléluia.